André Jordan, ancien instituteur, ancien professeur de collège et de lycée, et puis fondateur du laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences à l'Université de Genève. Je venais de la recherche scientifique et je trouve évidemment qu'après une agrégation, je n'étais pas du tout formé pour l'enseignement. Alors j'ai bien fait un stage chez Freinet, mais à l'époque Freinet était un peu vieillissant, donc j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait m'intéresser dans le domaine, et j'ai trouvé une revue qui s'appelle Les Cahiers Pédagogiques. Ce qui m'intéressait, c'est de faire des stages. Et comme jeune prof, ben, j'ai commencé par faire des stages, et un stage qui m'a beaucoup plu, beaucoup habité, beaucoup porté, c'est le stage que j'ai fait à Prades dans les années 74, c'est-à-dire dans l'ancien temps. <t'->